Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play d'Oblivion, le 51e pour être exact. Alors, aux dernières nouvelles, on a tout simplement fait un petit peu de thunes là, vous voyez, on est passé de 2500 pièces d'or à 3943, voilà, et après vous enlevez un petit peu les dépenses, un petit peu folles, voilà, comme ça, les petits coups de tête que je me suis fait là, tac. J'étais à 5000 et quelques pièces d'or, je suis redescendu à 3943 après quelques réparations, quelques reventes, enfin voilà, bref. Je vous passe les détails, c'était dans le 50e épisode. Du coup, on a essayé de bien rentabiliser le fric qu'on a pu gagner grâce à la vente des loots inutiles qu'on avait. Ça libère un peu de place, je suis à 141 sur 345. Hein. L'objectif, ça sera au final d'avoir une armure qui ressemblera un peu à quelque chose aussi là, parce que bon, voilà, jambières d'acier, des bottes. Bon, les bottes elles ont un effet magique, c'est pour ça que je les garde, mais bon. Vous voyez, le reste, on est à peu près coordonné, on est dans du Dwemer. Bon, là, on a l'armure de l'ordre des lames, avec une lame de l'ordre des lames, tout simplement. Donc, il va falloir quand même qu'on arrive à rendre la chose un peu plus potable. Au niveau des missions, on en est où? Attendez, j'ouvre. Ah, voilà. En fait, c'est toujours là. Au niveau des missions, on en est... Alors, je peux dire le Misk Arcand. Ah oui, bah, c'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'il y a Misk Arcand où j'avais pas le niveau. Misk Arcand où j'avais pas le niveau. Et pourquoi j'avais pas le niveau d'ailleurs? Faut que j'arrive à me souvenir. Je crois qu'en fait j'arrêtais pas d'affronter les adversaires qui me défonçaient. Du coup la grande pierre de Wellkind, je l'ai. Si je me plante pas. La grande pierre de Wellkind, je l'ai, attendez, rassurez-moi là. J'ai un gros doute d'un coup. C'est vraiment pas le moment d'avoir un doute sur ce genre de choses là. Et pourtant je l'ai. Hop là. Alors. Non, c'est la pierre de Varla, d'accord. C'est pas la grande pierre de Wellkind. La pierre de Varla, j'en ai trouvé une. Bah, justement dans le Misk Arcand. Mais je n'ai pas récupéré le reste. C'est-à-dire qu'il faut que j'y retourne, en fait. Éventuellement, ça pourrait être intéressant d'y aller. Putain, il flotte. Misk Arcand. Est-ce qu'on se refait un petit test de Misk Arcand, là, vite fait? On va voir ça. Alors, Misk Arcand, c'est vers là-haut, je crois. Sancretor. La vallée de je sais pas quoi. Merde, j'ai perdu l'endroit où était la... Attendez. Ah bah, tenez, Elsewhere qui est d'ailleurs sorti... Ah bah, c'est là. Qui est d'ailleurs sorti, ça y est, sur Elder Scrolls Online. Je n'ai pas encore acheté Elsewhere parce qu'il n'y avait pas d'édition collector physique. Puis bon, actuellement je ne pouvais pas de manière. Enfin, financièrement je ne pouvais pas. Du coup, voilà. Le mois prochain sans doute. Et puis de toute façon, il y aura les lives. Hein, sur... Tu te pousses toi, il y aura les lives sur ce réseau qui suivront. Ah, mais si, je me souviens en fait. Bah oui, j'étais venu combattre les créatures ici. Et j'avais fini dans la mouise la plus totale. En plus, je me plantais d'armes pour combattre. Donc bref, on va aller checker ça en bas. D'accord, déjà une musique de fight. Ça, c'est pas très rassurant, ça. Oula. Wow. Ah, si je me tape des frises trop réguliers, ça va pas le faire, attention. Tellement. What? T'as quoi sur toi? Des écailles, on s'en fout. On va continuer. Bah tout ça j'avais déjà fight moi, c'est quoi ce bordel? Attendez. Ouais, c'est là-bas que j'étais pas allé, où j'arrivais pas à suivre le rythme. Moi je dis ça vaut le coup d'aller voir et puis de tenter de fight, hein. De toute façon je crois que je suis obligé de passer par là. J'espère juste que ça va pas trop freeze mon enregistrement. D'accord, ok. Ça y est, je me souviens maintenant pourquoi est-ce que j'avais fui. Bordel. Putain, mais regardez le nombre d'ennemis qu'il y a. Et sérieux, c'est pas du foutage de gueule. J'avais pas mon bâton là. Si, mon bâton d'orage, tiens. Fais ton taf, toi. Ah putain, il est pas rechargé. Oh là là là. Ça m'avait pas manqué cette situation là. Où est-ce que j'ai mes. J'aime. Là, voilà. Thank you.
Putain, déjà une charge insuffisante, la blague. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Oh là 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 là. Non mais c'est pas possible. J'ai pas les mots. Oh, what the fuck. Esquive. Esquive. Oui. Allez, on fuit. Putain, en plus vu que c'est des créatures humanoïdes, je crois qu'elles vont pouvoir elles vont pouvoir sortir. Ce qui veut dire que j'ai qu'à me faire poursuivre en fait. Oh, merde. Bon. Oh là 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 là. On va essayer de se soigner un peu. Hein. Pour l'instant, ils sont pas là, donc je pense en fait ils peuvent pas ouvrir. Mouais. Ça va être hardcore, je sens encore cette game. Hein. Alors. Peut-être une ou deux potions de soin, vu qu'on peut pas attendre. C'est infernal comme à chaque fois que je commence un enregistrement, j'ai le nez qui gratte. Ah ouais, d'accord, ok. C'est bon, j'ai compris. Oh putain, bien un là aussi. Il passe pas, hein. Il est passé. Ce connard, il est passé. Ils sont tous passés, putain, mais sérieusement. Bon bah mon petit rocher adoré, nous revoilà hein. Bon, alors. Non mais oh. Bah d'accord. C'est énorme. Eh hey, oh, d'où une tape lui. Ils sont combien? C'est quoi ce bordel en fait? Moi j'attaque dans le vide pour rien en fait depuis tout à l'heure. Oh merde, je l'ai mis cher. C'est lui le plus dangereux en fait, je crois, dans l'histoire. Allez-y, fightez-vous. Ah oui, à quoi ça sert de faire des efforts pour fight s'il suffit juste de les regarder se tuer. Wow, il a bugué lui. Il a fait genre un 720 quizcope. Oh, moi je me soigne, mais attends, hein, je profite. Hein. C'est ridicule. Franchement, honnêtement, c'est ridicule. Je vais l'aimer ce rocher, il m'aura sauvé de pas mal de situations. Allez là! Putain, j'arrive même pas à le toucher quoi. Oh. Un de moins. Ah, le squelette est mort, super! Ah putain, voilà. Non, mon cheval t'y touche pas toi. Ah mais les deux derniers veulent pas se fight. Et lui pourquoi il prend aussi peu de dégâts aussi là. J'aurais dû garder une arme magique. Aïe.
Elle est là. Putain, mais les zombies de la terreur, mais je crois que je les hais plus que les faucheurs. Il me faut vraiment une arme magique en fait pour les buter, c'est ça le problème. Ah putain, je peux pas sauter, il y a mon cheval, il me gêne. Mais pousse-toi! Et c'est dingue ça! Pousse-toi! Voilà. Bon, bah écoutez. Tac, on va aller récupérer les gemmes qu'il y a là. Putain, ça fait 10 minutes que je suis en train de faire ce gameplay, je suis déjà en train de souffrir comme pas possible quoi. J'ai honte de moi. J'ai pas les mots. Elle est où mon épée? Elle est bien là. Touche pas à mon cheval, je t'ai dit. Ah mais putain. Allez, viens. Mais ils prennent rien en fait, c'est dingue. Ah si, il prend quand même. Putain, c'est infernal. Hein. Chair de mort, qu'est-ce qu'on s'en fout. Le mec est dégoûté en fait. Ah mais ça, je viens de prendre tellement cher là en quelques instants que... Même mon cheval, il a pris cher. Le pauvre, il avait rien demandé à personne. Bon du coup, ah, d'accord, je peux même pas attendre. Et là, je peux attendre. Je peux même pas attendre non plus. Où est-ce que je peux attendre du coup? Allez, monte. D'accord, je peux attendre nulle part. Ah si, là. Ok, donc on va sauvegarder. On va redescendre. On va redescendre parce que là, il n'y a pas le choix. Hein. Ouais, il y a encore un là, quoi. Ok, ça, c'est un gobelin. On va changer d'arme pour celle-là. Oh, ils sont faciles à tuer, vous voyez. Hop, en deux coups, c'est fini. Ils ont aucun stuff intéressant. Et le pire, dites-vous bien, c'est que... Ah, en fait, j'avais ramené toute l'équipe qu'il y avait là, en fait. C'est pour ça. Je pensais qu'il restait encore tous ceux d'en bas. N'empêche, on se réattaque au donjon après un long moment, quand même. Hein. Faut être honnête, je veux dire. On a fait quand même pas mal d'épisodes entre le moment où je suis venu ici et, bah... Maintenant. Et j'avais pris tellement cher la dernière fois, c'était violent. Hein. Alors, je sais qu'on voit pas grand-chose. Ce que je cherche à faire surtout, c'est à repérer un coffre ou un truc du genre. Je crois pas que le loot se soit régénéré. Je crois pas que ce soit possible qu'un loot se régénère même. Bon allez, on va par là. Je me souviens même plus par où j'étais passé. Tout ce que je sais, c'est que j'avais fui. Ah bah oui, bah, de toute façon, j'étais obligé d'être passé par là parce que c'est fermé en haut. Tout cela, je les avais déjà... Oh putain, je m'en souviens de ça. Ok. Ah oui, j'essaie de les attaquer ici, je m'en souviens. On va sauvegarder. Merde. Putain, même lui, il attaque plus vite encore. Et je tape un peu à l'aveugle, hein, je vous avoue. Allez, meurs. Meurs. Engrais osseux et un clé mort en argent. On va le prendre juste dans l'intérêt de la revente. On va prendre surtout les pierres de Wellkind. On va se soigner avant que l'autre là-bas nous repère. Ah, c'est bien, ça fait office de torche du coup. On repère le loot comme ça. Ok, pas assez de magie. Petit coup de sauvegarde du coup, tac. Voilà. Ah non, toi, ah c'est vrai qu'il y a un arc magique lui par contre. Oh, et pas n'importe quel arc par contre. Par contre tu vas... Ah putain. Arrête! Oh, elle est chiant! Mais oui, il m'a touché!
Il est où? Là. Flèche d'acier, flèche de fer, on s'en fout. Moi, c'est l'arc qui m'intéresse. Il est passé où l'arc? L'arc. Où est-ce que... Non mais... C'est du foutage de gueule. Il y avait un arc ici, il est passé où? Bon, bah, on va se servir d'une torche quand même. C'est hallucinant de d'avoir besoin d'une torche pour ça, quoi. Il est où mon bouclier? Il est là. Arc de flamme. Ben voilà. On va soigner un peu. On va attendre. Nickel. Bon. Oh là là, c'est ridicule quoi. C'est ridicule. Non, par contre, la suite. Donc déjà, celle-là, on va les prendre. Un petit coup de magie ici. Je repère pas de coffre. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Rien d'intéressant non plus. Il y avait une créature la dernière fois ici. Ah, il y a un coffre aussi, ça c'est cool. Ah bah, prends. Autre chose? Non, rien d'autre. Allez, hop, coup de save. Ok, bon, ça va aller vite. Ah, c'est un chaman. Salut, chaman! Ah, mais poussez-vous! Ah, oh, merde, il y a encore un putain de vaisseau de merde là. Lol, il y a 220 déjà? Non, mais pourtant, je suis tombé sur. Non, mais hé, hey, toi, tu vas te calmer aussi? Non, mais attends, viens là. Ah, viens. Viens la lumière. Viens la lumière, je te dis. Non, mais merde. Putain, il attaque plus vite que moi, quoi. Voilà. Bouclier en acier. C'est noté, mais je m'en fous. Par contre, il y a son arme qui est tombée quelque part ici. Elle est tombée là. Masse d'armes en acier, bah les couilles. Dague en argent, s'en fout. Les faibles potions de guérison, je prends. Par contre, et tu avais aussi notre créature avec. Qui a disparu. Bizarre. On est bien d'accord qu'il y avait un. Il y avait un zombie avec eux. Des victuailles. Ah, un coffre en difficile. On va l'ouvrir. Voilà. Ok, ça on s'en fout. Et ok. Oh, qu'est-ce que c'est là? Oh, un interrupteur. Et un coffre en allemand. Très intéressant. Pousser le bloc et un squelette. Le squelette n'a rien, alors on pousse le bloc. Je sais strictement pas à quoi ça a servi. Hein? Pardon? Eh, j'ai pas tout exploré en fait, faut que j'aille tout droit. Ouais, voilà, c'est bien ça. En fait, je suis revenu au point de départ parce que j'ai pris un chemin alternatif, mais c'est pas là que je dois aller, moi. Je me souviens, c'était beaucoup plus grand que ça. Donc là, je dois continuer ici. Ah oui, voilà, il y a une porte ici. Oh putain, qu'est-ce qui nous attend encore derrière? Là, franchement, je me pose des questions. Fin de sauvegarde, je ne suis pas serein. Je suis vraiment pas serein, c'est pas une blague, hein. C'est... Je plaisante même pas, hein. Voilà, tac, un petit coup d'attente. Au niveau de la montée de niveau, j'en suis où? Eh, bientôt le niveau 17, hein. Oh, le carnage. Mais ils sont combien? Mais ils m'ont repéré! Non! Non! Non mais... Forcément il a fallu que je tape sur lui. Meurs. Non mais sérieux quoi. Il tape plus rapidement que moi.
Dague en argent. Ah, ça par contre c'est cool. Escave au sol, une hache de guerre. Je prends. Ils sont combien? Putain, on avait droit à une bataille en raid. Il a fallu que de ce coup, ils bifurquent tous sur moi, quoi. En tout cas, merci pour la hache. Ah, il y en a beaucoup moins déjà. Non mais hé, tu vas arrêter de me multiplier les coups là. Oh, oh. Du stuff de meurtre comme on les aime là. Qui est le prochain? T'approches pas surtout. Ah bah d'accord, c'est deux archers de merde. Bon d'accord, alors eux. Alors, on va tenter avec. J'avais pas ramassé de masse d'armes? Ouais, voilà. Peut-être que ça marchera mieux. Non, ça marche pas mieux. T'es le mec qui sait plus quoi faire, quoi. Eh ben, on va refaire du lame-feu. On va lui remettre des gemmes dessus. Enfin, des gemmes. Oui, des gemmes en fait, je suis con. Je suis pas sûr que ça lui serve vraiment en fait. Ça, après, j'ai plus trop le choix. Hein. Voilà. Et puis, on va y aller en mode YOLO, hein. On va tenter de se défaire de les deux là avant la fin de l'épisode quand même. On a déjà avancé un peu plus loin que la dernière fois. Pas trop mal. En même temps, on a eu pas mal de chance aussi. Regarde-les, les deux là. C'est un nouveau garde à vous. Merde. Arrête! Oh, qui me saoule! Arrête! Ah, il esquive, mais. Mais. Ah! Mais merde! Pourquoi il résiste autant au dernier coup? C'est de l'autre côté, je suis. Voilà. Un arc elf encore. Ah, il me rend fou, je te jure! Et lui, il avait quoi? Un squelette champion, on s'en fout. Ah, il y a des macabres partout. Ah, c'était un squelette héros! Avec quoi comme stuff s'il vous plaît. Où est son arc? On avait quoi là? Clémore en argent encore une fois. D'accord, il avait un arc, il a plu. Ce qui est chiant justement quand tu tues les adversaires, c'est que la plupart du temps leurs armes elles volent dans tous les sens en fait. Du coup bah, ça donne des situations comme ça. Alors on va juste faire une chose, on va sauvegarder, on va attendre, parce qu'apparemment il n'y a plus personne, donc tant mieux. Et on va vite prendre une torche, on va vite faire le tour de la pièce. Il y aura de questions que je passe à côté de loot intéressant. Voilà. Déjà on va faire le tour de la pièce. Ok, donc toi t'as rien d'intéressant. Au centre j'ai vu quelque chose d'intéressant, je crois même que c'était la fin du truc en fait. Une pierre de Welken supplémentaire. Là, ah d'accord, il y a encore du monde là-bas. Là, par contre, on a ce qui semble être justement l'objectif. Par contre, vous voyez là, voilà, c'est là que je comprends pas. Lui, il avait aussi un arc. Ah, ben il est là, l'arc. Oh, un arc en acier pérave. Bah, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore. Quoi, on a encore un passage? Oh, putain. Ouais, je sais pas où ça mène. Tu vois ça? Ah, la cage est activée à distance, la blague. En fait, on a vraiment trouvé l'endroit, mais on peut pas activer de suite. On va juste jeter un coup d'œil dans la pièce d'à côté. Ça doit nous ouvrir. Oh, un coffre. Ça doit nous ouvrir justement. 27 d'or. Bon. Ça nous ouvrir justement l'accès à la sorte de cage qui entoure la pierre de. D'accord, c'est pas ça. Oh, bah. D'accord.
Tada! J'ai la grande pierre de Wellkind. Alors pourquoi par contre ça on peut pas y accéder? Bizarre, apparemment on peut y accéder que de l'autre côté. Alors qu'y a-t-il à la fin du donjon? On va prendre 30 secondes supplémentaires, on va jeter un coup d'œil à ce qui se passe derrière. Oh, avec un zombie de la terreur encore. Et qui c'est qui a plus de charge sur son truc là? C'est Bibi. Elle est où Ouais, écoute, hein. Quoi, charge insuffisante? Attends, il y a 100 tu hein. Quelle blague. Hop là. Petite gemme spirituelle sur l'âme feu. Pas que ça fera l'affaire. Ouais, c'est vraiment ça en fait qu'il me faut pour. Ah, mais lâche-moi, putain, mais. Mais c'est quoi ce bordel? Mais non! Mais c'est une blague! Mais c'est une blague! C'est une blague, il n'y a pas d'autre mot. Vous avez vu comment il m'a enchaîné? Ah mais franchement moi ça me laisse sur le cul aussi, c'est de l'abus. Je m'en fous, je la prends. Tac, elle est où? Il est où? Lame feu. Bah je l'ai déjà sur moi. Ah oui, je l'ai déjà sur moi. On la charge, hop. Et je m'en fous, je défonce. Voilà. Lame feu. Nickel. Ensuite on vérifie que là le coffre est bien ouvert. C'est bien ça, sauvegarde et viens là toi. Bats les couilles frère, je te défonce. Allez! Ah mais en fait... Il est passé à travers la porte, mais c'est une blague. Ah mais en fait il m'enchaîne. Non mais... Ça fait péter des plombs. Oh. Ah mais il a regardé, il a regagné de la vie. Oh, il a regagné de la vie le bâtard. Ouais le combat. Et il perd rien. Bon, allez tue-moi qu'on en finisse. Voilà. C'est une blague, c'est. C'est n'importe quoi, il perd que dalle. Ah putain, j'ai oublié d'équiper les flèches. Forcément, ça fait aucun dégât, vu que je suis une quiche. Oui, c'est cool, ça me sert strictement à rien. Voilà, finis-moi. Bon, écoutez, on se le fera au prochain épisode. C'est infernal comment un seul zombie peut me déglinguer. C'est infernal. Bon, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager cette vidéo, à mettre un commentaire, à me donner vos idées, toutes ces choses-là. Ça m'aidera aussi pour la suite, à être mieux référencé aussi entre autres. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, c'était Looping. Ciao tout le monde, bye bye!